Comme ça, au moins, on voit bien toutes les deux. Ah bah alors, je risque pas de bouger là. Coute dans ta mère sur Chiquita. C'est quoi ça? C'est Booba qui a dit. Oh, ne me parle pas de Booba, s'il te plaît. Il n'est pas avec nous là. Allez, on y va. Coute sur Chiquita. Hein? On y va ou pas? C'est quoi ça? Je sortais qui ça? Ah papa. Elle tient bien chaud. Allez, on y go. Regardez. Comme ça, vous les voyez. Elles sont trop grandes, mais elles sont cool. Pourquoi elles sont trop grandes? C'est pile ta taille. Non, regarde. Ah oui, le talon, il t'a le talon, il m'arrive au... Il m'arrive à la cuisse, ouais. Allez, on y go. Bon, aujourd'hui, vous allez peut-être être contents. Salut, salut! Alors, aujourd'hui, on revient pour vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça. Une petite vidéo de sur ce qu'on a acheté chez Action ces quelques semaines qui sont passées. On a oublié plein de trucs. Hein. Ouais, on a oublié plein de trucs. Parce que là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là au dernier moment. Et j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais acheté à Action ces derniers temps. Mais il en manquait. Bon, moi aussi, j'en ai acheté des trucs. Hein, je vais faire que renifler. Mais c'est parce que je sais pas si vous allez remarquer. Je veux dire aussi ici. C'est quoi? J'ai... T'as la sinus. C'est ça, non? Non, sinusite, elle a la sinusite. J'ai une allergie à l'œil. Donc du coup j'ai grosse cerne, j'ai là il est gonflé, il en peut plus, il crie sa mère là tous les soirs. Allez on y go. Bon alors, ce que nous avons acheté chez Action. Alors, on commence par quoi? Il manque tellement de choses. Hein? Il manque tellement de choses. Alors, déjà, ce que nous avons la acheté. Bouffe. On va commencer par la bouffe. Chez Action, de temps en temps, on s'achète des petites choses à manger, à grignoter. Mais il y a des choses qu'on a déjà mangées que je pourrais pas vous montrer. Je vous montrerai une autre fois si je m'en souviens. Mais en général, on vous montre ce qu'on achète souvent chez Action sur Snap. Et Tissène, elle va faire des trucs TikTok. Ouais, ils ont déjà mangé. Non, mais ce matin, ils ont goûté quand tu as goûté. Et Tissène, elle va faire aussi des vidéos TikTok pour certains produits. Donc si vous voulez nous suivre sur les autres réseaux sociaux, c'est le moment. Voilà. Voilà. Alors premièrement, on a acheté ça. Donc ça, en fait, j'ai vu sur une TikTokeuse. Elle a dit que c'était super bon, donc du coup hier je me suis dit on va en acheter une déjà pour tester si c'est bon. Et voilà, c'était 1,29€. Ça sent quoi? Je sais pas, j'ai pas goûté non plus, je sens juste. Le chocolat chaud? Ça sent, non, ça sent le Starbucks. Non, ça sent le truc Oreo là qu'on mange à... En Espagne. En Espagne. Je vais faire un crachet. C'est pourri, tu crois que je peux boire en télépathie? Non, je vais essayer, je te vide, mets à la bouche. Mais tu vises bien, parce que c'est... Oui, bah, oui, parce que c'est sur mon lit. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est le beau twist ou pas? Pas énormément, mais ça a le goût du chocolat chaud. Chaud? Enfin, du chocolat quoi. Si, c'est un peu un arrière-goût de Twix. Oui. Mais c'est un arrière-goût de gâteau, mais pas. Je crois qu'il y a des morceaux dedans. D'après ce que j'ai entendu ce matin, on m'a dit qu'il y avait des morceaux dedans. Ah ouais? Ouais. Mais voilà. Marqué bien mélangé et le boire froid. Mais c'est vrai que c'est un chocolat, c'est pas mal. Par contre, 1,29€, il est gros. Hein. Ça doit être très calorique. Par contre, La bouteille de 100 calories. Ouais, 189 calories la bouteille. Ça va. Ouais. Le chocolat chaud, c'est pareil. Ouais. Genre les Starbucks qu'on achète, c'est pareil, c'est 200 calories. Ouais. Et ils sont plus petits. Donc voilà, déjà on a acheté ça pour manger. Ensuite, ce que j'achète souvent chez Action, c'est ça. C'est des pâtes au fromage. Aux 4 fromages parce que Shaheen il les adore. Et c'est hyper rapide en fait. Des fois quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas envie de se faire un truc, de se prendre la tête, ben on prend un sachet comme ça. Je crois que c'est 89 centimes dans le paquet. On prend un paquet comme ça, on le met dans 500 ml d'eau et on laisse cuire. Ouais, ouais, c'est bien cuire. Non, 500. 550 ml d'eau. Ouais, ouais. On met 550 ml d'eau à bouillir. On met le sachet entier et on laisse bouillir. Je crois que les pâtes elles sont al dente. Et puis après c'est super bon. Ça fait des pâtes fondantes. Ouais, ça fait des pâtes fondantes. Vous n'avez même pas besoin de vider l'eau et tout. En fait c'est pile la quantité pour que ça soit fromagé. Ouais, pour qu'il y ait la pâte et la sauce. Vous allez manger comme ça. Et non, faut qu'on mange la dinde. Je vais essayer de faire la dinde à la crème. Ok. Vous avez comme ça et vous avez tomate mozza pour chez toi. Ouais. Tomate mozza aussi. C'est ça non? Ouais, il y a tomate mozza. Ils les aiment moins Shaheen parce qu'on dit que la poudre reste dedans. Si on les fait battre, mais moi j'ai pas vu ça. Mais aux 4 fromages, en tout cas, elles sont bonnes et ouais, tomate mozza. Mais je crois qu'il y a aussi un autre goût. Ah ouais? Ouais, je suis pas sûre. Mais c'est prêt en 7 minutes. Ouais. Par contre, c'est gras. Il y a combien de grammes? 162 grammes.
Non, 400 calories, le 323 calories ou c'est 400, 400 calories les 100 grammes et il y a 162 grammes. Oh, je vais te mettre un comparé, tu dis. Donc c'est gras. C'est, ben, la portion, c'est pour deux personnes. Une portion, c'est 323. Ben, 80 grammes par portion. 323 calories de la portion. Oui, c'est pour deux personnes, donc tu fais la moitié, c'est 323. En sachant que Shaïn, il se le mange entier tout seul. Ça veut dire que c'est 700 calories. Autant aller au McDo, au McDo. Ben, un repas, en général, c'est 5, 6, 700 ouais. calories max. Beaucoup quand même, ouais. Bon, parce que si tu manges pas que des pâtes généralement. Ouais, ouais, à part si tu manges la moitié. Ouais, c'est vrai, c'est pour deux personnes. Ensuite, ce que j'ai acheté la dernière fois, parce que moi j'aime bien manger de temps en temps les fruits secs, les amandes, les noisettes, les noix, etc. Donc actuellement j'ai trouvé le grand paquet XL et en fait c'est un mélange de. Ben, il y a les fruits, les noix, les amandes. Il y a plein de petites choses comme ça. Ah, mais j'aime pas. Ah, si, c'est trop bon. J'aime pas. Il y a même amandes. les graines de tournesol. Par contre, ce que je lui reproche, parce que moi j'aime bien quand les amandes sont croquantes. Donc du coup, ce que je lui reproche à ça, vu que c'est mélangé avec les fruits secs, mais les amandes, elles sont pas croquantes en fait. J'aime les amandes. Ouais, mais là il y en a trop. Mange-les. Ça va te faire du bien au corps. J'aime pas les amandes. C'est bon les amandes. Déjà, j'aime pas trop les fruits secs. Mmh. Mélange avec le fruit. Amandes. Je veux pas. Tu vas la mettre où? Les amandes. T'as vu toutes les amandes que j'ai? C'est 5. Moi j'aime que les fruits secs. Les amandes, je vous mets là. Papa il va vous manger ce soir. La poubelle lui. Elle lui mettra sa place. C'est tout ce qu'il y a pour la bouffe. Parce que comme je vous ai dit, on a mangé déjà. On a déjà mangé. On va passer au produit make-up. Make-up Sonicor, etc. Il y a ça, il y a ça. C'est lourd. Non, pourtant on en achète beaucoup. Ouais. Produit make-up. On avait pas les dents. Tu commences, vas-y, donc je me nettoie les dents. Premièrement, j'ai pris ça pour vous faire un crash test sur TikTok. C'est un masque pour les cheveux aux coconut. Donc il y avait l'aloe vera, coconut et un autre truc. Mais je me suis dit, noix de coco, généralement, c'est bien pour les cheveux. Voilà. Ça coûtait même pas 1€. Appliquer le masque. C'est pour une seule application. Et laver en 3 à 5 minutes. Et je le laissais que 3 à 5 minutes. Regarde, il y a marqué qu'il faut le laisser que 3 à 5 minutes. Oui, c'est un masque que je vais rincer. Moi, je pensais que c'était un masque de nuit, tu vois. Mais tu peux laisser la nuit. Hein. Celui-là, je sais pas du tout s'il est bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien voir les ingrédients et tout. Moi, c'est vrai que je regarde jamais. Mais il est précisé 98% d'ingrédients naturels. Ouais. Donc ça doit être plutôt pas mal à voir. Après, ouais, si c'est plusieurs utilisations, ça va. Parce que 1€. Le masque presque. Du coup en fait ça mais c'est un conditionnaire. En fait c'est un truc pour la douche quoi. Oui. Moi je pensais que c'était un masque à laisser poser. J'ai pas fait attention. Mais ouais mais c'est vrai qu'il était pas cher, donc à voir s'il est pas mal. Et le deuxième truc que j'ai pris c'est ça. C'est un masque facial en caoutchouc vert. Caoutchouc. Ouais, en fait, c'est un truc que vous devez mélanger, vous avez des poudres comme ça dedans. Ah, il y a même la petite cuillère. Alors ça, je sais pas ce que c'est, parce que c'est tout bizarre, tout dur. En fait, vous avez la base liquide et la base... C'est pas les cachets là qui se... Ah, ça, c'est pour que ça fasse la gélatine. Ouais, voilà. Tu vois ? Alors, tu vois ? La poudre polypeptide. Ouais, il est marqué. Première étape, mettre la base liquide et deuxième étape, mettre la... poudre, je sais pas quoi. Ouais. Et après vous avez la spatule, vous mélangez dans votre truc et vous l'appliquez. Et vous laissez poser. Et j'ai vu beaucoup de personnes le tester. Et après et... ça sent la peeling. Ouais, je crois normalement ça sent comme ça. Et ça a l'air pas mal. Apparemment il sent pas très bon, mais apparemment il est super bien noté sur Yuka. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur TikTok. Ouais, donc, mais t'as vu Yuka? Ce que je t'ai dit la dernière ouais, fois. C'est vrai. Yuka, tu veux voir tes dents? Ah non, je crois que t'as des amandes. Tu les parles? Oh, on a plein. C'est vrai? Non. Sur Yuka. La dernière fois, on a vu que c'était une grosse arnaque, Yuka. Parce que bah, on a vu des petits. Comment ça s'appelle? Ah, oh, j'ai perdu le mot. En fait, pour aimer la mangue. C'est trop bon. Ah, je vais faire que renifler. On a vu que les. Ah, comment on appelle ça là? Les agriculteurs là, les. Oui, ils payaient les marques, oui. Les concurrents, pour qu'ils soient mal notés. Non. En gros, par exemple, moi je vends du lait. Je vais payer pour que le lait pour que le lait du voisin soit mal noté. C'est pas ça. Hein. Les producteurs, en fait, les vrais producteurs locaux et tout ça, régionaux, avaient du vrai produit. C'est-à-dire, par exemple, il y avait un producteur de miel
qui était super mal noté sur Yuka, alors que tous ces produits étaient naturels, il n'y avait aucun additif, il n'y avait rien du tout. Tout était naturel, il était noté 30% sur Yuka. Et il y avait des grandes marques en centre commerciaux qui, il n'y avait que de la merde. Et en fait, ils étaient notés 90%, 88%, des choses comme ça. Mmh. Et en fait, cette personne-là a dit que c'était pas normal et que les grandes marques payaient Yuka pour qu'ils leur mettent des bonnes notes. Donc franchement, c'est de la merde. Ça y est, maintenant, je peux confiance à Yuka. Voilà. C'était un reportage. Ça sort pas de notre imagination. Ouais, c'était un reportage. Et c'est pas la première fois qu'il y a un reportage comme ça. Ouais. Et ça, je m'en suis aperçue parce qu'une fois, j'avais acheté un truc, j'étais sûre que c'était bon et il était mal noté. Alors, ensuite, j'ai acheté ce petit bandeau pour le make-up. Ah, tu t'es toute fait la queue. Ah oui, merde! Déjà que je suis mal coiffée en ce moment, c'est pas grave. Hop, on va le mettre. Regardez comment c'est mignon. Vous avez le même chez Primark à 1€ ou 2. 89 centimes chez Action. Ouais, 89 centimes chez Action, il y en a plein qui n'ont pas Primark. Et vous l'avez à Disneyland, il coûte 15€. Le même? Ça coûte 15€ ça à Disney. Il n'y a pas ça. Des soucis, ils en vendent des choses comme ça. Il y en a une, elle a acheté sur TikTok. Moi, TikTok, on est les best friends forever. Je vois tout sur TikTok, moi. Donc, ça, 89 centimes. Ensuite, un truc que je vous avais dit sur. Un ongle de pied. Bah. Il était coincé à ma chaussette. Ça veut dire que c'est celui de quelqu'un que j'ai ramassé avec mes chaussettes. Bah. On a dû le goûter pour si c'était le mien. Ensuite, sur Snapchat, je vous avais dit que j'avais testé le rouge à lèvres Nivea. Oui, je l'attends même pas. Le rouge à lèvres Nivea, franchement, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Un gloss, non? En fait, c'est un gloss. Vous allez voir. J'ai des amandes de plein les dents. Et en fait, oh, moi aussi, j'avais pas les dents. Tout à l'heure, j'arrête pas de me sortir d'un. Ah, et oui. En fait, il est gloss. Et quand vous le mettez, franchement, il est bien. Ouais, sur l'air, il est trop bien. Mmh. Il sent bon. Il hydrate super bien les lèvres. T'as la chaîne. Franchement, ça va. Ouais. Il sent super bon. Il hydrate super bien les lèvres et puis colore les lèvres. Et franchement, c'est, en fait, c'est pas une rhume à lèvres. Rhume à lèvres, coloré, Nivea et qui sent super bon. Et franchement, il est hyper doux. Est-ce qu'il se sort après? Bien sûr. Ah oui. Il est hyper doux. Ensuite, j'ai acheté, petit Sam, elle a acheté les mêmes, par contre, on n'a pas trouvé les autres. Il me manque le rouge. Un lot de crayons de make-up. Normalement c'est pour les yeux mais il y en a plein qui se servent pour les lèvres. C'est pour les yeux sauf que celui-là moi je m'en sers pour les lèvres. Après c'est pour les yeux. Les autres couleurs je mets pas ça autour des lèvres moi ces couleurs là. Mais franchement mais pour les yeux il y a quand même du choix. Les couleurs métallisées là, les couleurs les parmes, les verts verts d'eau comme ça et tout ça. Franchement c'est super beau avec un maquillage, un super beau maquillage. Tu mets ça en dessous là ou dans le coin là comme ça. C'est trop beau. Je les ai essayés, ils tiennent super bien, ils sont hyper gras, donc ils glissent facilement sur la paupière. Sur les lèvres, pareil, ils tiennent super bien, regardez. Voilà. Hop, le rouge, regarde, mais... Pareil, le violet. Regardez-moi ça. Ah, ils ont une bonne pigmentation. Hyper bonne pigmentation. Et je crois qu'il y a un autre lot avec des nudes et tout qu'on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. J'ai une copine qui en a un nude pour les lèvres, trop beau. Combien ça? 1,99€. 1,99€ le lot. Et il y en a 12, je crois, non? Ouais, je sais pas. Ouais. Ensuite, moi j'ai acheté un concealer comme ça chez Action qui a quand une seule teinte. Oui, Action, on fait un truc Action. Ouais, merde. Qui a une seule teinte, enfin, j'ai toujours trouvé qu'une seule teinte, donc c'est la teinte 116 Roasted Walnut. Et donc du coup pour les personnes très blanches, je pense qu'il sera un peu foncé parce qu'il est il est pile pour ma carnation. Il est sable un peu. Hein. Ouais, il est pas beige. Fais le swatch. Fais le swatch. Ouais, mais après j'en ai partout. Regardez, il est ni trop beige. Et franchement, vous voyez, on le voit pas énormément sur ma peau, mais je sais qu'il faut pas qu'il soit trop clair ni trop foncé. Il est très couvrant, ça se voit qu'il est couvrant. Je veux dire, il y en a des fois, ils sont transparents encore. Ouais, ça va, il couvre. Mais moi, j'aime pas quand c'est trop couvrant. Moi, je trouve qu'il est ni trop couvrant ni pas assez. Ouais. Donc voilà. Mais je veux dire, des fois, t'en as quand tu les mets, ils sont transparents quoi, tu sais. Ouais. Je t'ai su sur le pantalon. Il est pas mal parce que j'en ai acheté un. C'est où? Une tarte, non? Ah, c'est Benefit, il est trop nul, mais après je suis allée en acheter un autre chez Sephora, c'est lequel que j'ai. C'est pas le Tarte? Ah non, c'est chez Kiko. Ah oui. Chez Kiko, j'en ai acheté un, en fait, il est pas mal, mais il est dur à estomper. Donc lui, il coûte 1€, chez Kiko, il coûte 9€. Ouais. J'étais
t'ai dit tout à l'heure, on s'y connaît. Ouais. Chez Coco, Kiko, il coûte 9 euros. Chez Sephora, vous payez 30 euros les anti-cernes. Donc, ça, ça fait faire. C'est pas pour un maquillage de fou. Donc, il est très très bien. Ensuite, question un petit peu make-up. Je veux dire que je vais mettre ça dans le make-up. J'ai acheté un ciseau, vous savez, les petits ciseaux, on se coupe les. Parce que Tissane, à chaque fois, j'achète un petit ciseau. Elle faut me que le je me coupe d'ailleurs, tu peux me le prêter. Elle me le. Regarde comme ils sont lents, frère, ils touchent les cheveux, les sourcils. Les deux derniers que j'ai achetés, tu me les as perdus. Mais non, il y en a un dans la voiture. Non, mais c'est pas le mien, moi je veux le mien. Du coup, vous savez, pour vous couper les sourcils en haut, pour vous couper les poils du nez, pour vous couper les poils de schneck. Tu sais comment j'ai fait pour tailler la barbe. Story time. Je me suis coupé un morceau de peau. Ah non, 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 stop. Ah, j'aime pas écouter. Vas-y, raconte, je t'écoute pas. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, je déteste écouter ça. Vas-y, dépêche-toi. Attends, là, j'ai une petite tache là. Bref, je déteste. Je sais pas où c'est. Bref, en gros, quand j'étais petite, j'avais une compétition de gym le lendemain. Oui, hop, hop. Et en fait, ma mère ne voulait pas que je me rase. J'avais une touffe comme ça sur les jambes. Du coup, j'ai pris un petit ciseau comme ça et j'ai coupé le surplus de poils. Ah non, je croyais que c'était l'autre que t'allais dire. Lequel? Le rasoir. Ah, le doigt. Je veux pas en parler. Moi non plus. Ah, je veux pas parler de ça. Mais ça, c'est pire. Mais non, c'est pas pire. En fait, le rasoir, je vous explique. Je me suis rasé la foufoune et en fait, plouc, j'ai rasé le doigt. Le petit doigt. L'ongle. T'as coupé l'ongle. Ah oui, bref. Ah, c'est et en fait, pas je me suis rasé coupé les poils comme ça et en fait, je suis allée vite parce que j'avais pas le temps. J'avais la compétition de gym et je me suis arraché un morceau de peau. Tu me l'as jamais dit ça? Bien sûr que si, maman, je me suis arraché. J'ai une cicatrice. Je me rappelle. Ah oui, c'est vrai. Je me suis vraiment arraché un morceau de peau, genre je me suis coupé la jambe. J'étais à chair, on voyait ma chair. Oh, c'est bien, blanc. Ça s'en fout. C'est bon. Qu'est-ce que j'avais mal, mon Dieu, j'avais mal. Arrête. Ah, voilà. Anecdote quoi, petit ciseau. Voilà, donc du coup ça, mais je l'ai pas trouvé en beauté. Par contre, il y a un kit en beauté, les pieds à chaque fois. Tu sais celui où tu te rases et tu te coupes oui, ça. Bon, là, faut se raser les sourcils. Ouais, il faut se raser les sourcils. Moi, je me rase pas les sourcils. Non. Mais bon, pour les gens, il est pas mal. Il est à 2 euros, je crois. Mmh. Donc ça, je l'ai pas pris au rayon beauté. Je l'ai pris au rayon créatif. Créatif. J'ai trouvé. Il était mini, pareil et tout. Franchement. On dirait un coupe-ongle bébé. Tu sais, les bébés, c'est comme non, ça. Non, les coupe-ongle bébé sont ronds. Ouais, ils sont ronds. Mais d'ailleurs, j'en ai un. Je sais même pas prendre ça. Mais bon, ça devrait être à toi quand tu es petite. Donc ça, je l'ai payé 89 centimes, en sachant que le petit ciseau comme ça coûte hyper cher. Ouais. Ça coûte 8 euros en pharmacie. Ouais. Et j'avais payé le mien 6 euros, je crois. Ouais. Après. Bref. Ensuite, on passe au truc déco. Ouais. Parce que je vois que t'as déjà ça. C'est quoi ça? Une boîte. Ah oui, la boîte. Vas-y. J'ai acheté il y a pas très longtemps une boîte à lunettes comme ça, trop chou. Donc il y a ma paire de lunettes dedans. Voilà, je vais vous montrer ma paire de lunettes qui est très jolie. J'ai acheté chez Primark. Ouais, elles sont trop belles. Tu les avais même pas mis cet été? Je les ai mis plein de fois. Ah bon, je t'ai pas mis avec. Chez mamie, je les avais tout le temps. Bref, en fait, c'est une boîte comme ça. Et en fait, si vous voulez pas qu'elle vous prenne de la place, je sais pas comment qu'on fait, mais je sais qu'elle est pliable. Ah voilà, vous rentrez le petit côté comme ça. Et en fait, elle est toute fine comme ça. Voilà, dans le sac. Voilà, dans le sac. Et après, quand vous avez vos lunettes, et ben hop, vous la grossissez. Je sais pas. Faut tirer. Allez, retirer. Je l'ai jamais fait en fait. Et voilà. Et ça coûte peut-être 1 euro, vous avez plein de motifs. Un peu ce motif, il est joli. C'est rouge léopard. Voilà. Ça coûtait que dalle. Et puis c'est une boîte à lunettes pratique quoi. Même si j'en ai 1000 et que les chez l'opticien ils vous les donnent, eh ben celle-là elle est plus jolie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris en déco? Alors en déco, Tissien a acheté ça pour la rentrée. On a de chez elle. Ça s'ouvre ça? Oui, non, c'est comme ça en fait. Ah voilà. Comme ça. Ça le monte. Ça, c'est pas comme ça normalement que c'est monté, mais voilà, on pense c'est monté. Ça sent l'école. Ça sent un truc de colle, ouais. Ouais. En fait, c'est un petit truc comme ça. Un organisateur de bureau. Ouais, voilà. Et en fait, ça s'enlève, c'est un carton, ouais. Et vous avez là 3 compartiments. En fait, c'est comme ça. Ça peut être les courriers ou les. Ouais, moi j'ai mis mes papiers, genre mes ordres. Je devais aller chercher une Ventoline, j'ai oublié. Ah bah tiens, lundi. Bon bref, là où j'ai mis mes ordonnances, moi, là j'ai mis des stylos, là j'ai mis des médicaments, enfin bref, voilà. Faites ce que vous voulez, des paliers, je sais pas, 2 euros. Non, 3,99, 4 ouais, euros. 4 euros. 4 euros. Du coup, t'avais pris deux. J'avais pris deux, un pour chez moi à Toulouse et un pour ici, mais j'ai oublié de le ramener à Toulouse, alors il faut que je le prenne. Ouais. Voilà. Alors ensuite, tes cadres. J'ai acheté un lot de 5 cadres, donc comme ça, et un gros. Qu'il faut accrocher au mur, que j'ai jamais accroché parce qu'en fait il faut que je demande à mon père je sais qu'il va me dire oh demain, du coup j'ai la flemme. Donc j'ai mis plusieurs photos, donc j'en ai mis une
avec mon père, voilà, et moi bébé, une avec ma mère et moi bébé, toujours moi, hein. En fait, je l'ai acheté de base pour cette photo, voilà, que j'avais fait au zoo avec mon frère, donc il n'y a pas très longtemps. Et après, du coup, j'ai mis d'autres photos, donc là, j'en ai une autre avec mon frère. Je sais pas si vous allez bien voir le reflet. Et une photo de moi parce que je me kiffe. Voilà. Cette photo, on l'a fait au Maroc avec les arrière-plans. Elle est trop mignonne, elle était toute abîmée sur mon mur, donc je l'ai mis là. Ouais. Elle est trop chou. Bref, et le lot de 5 cadres, je crois que c'était 2,60€ ou un truc comme ça, c'est pas cher. Hein. Sachant qu'accroché au mur, il y a une disposition à faire, ça fait joli. Ouais, il faut choisir la disposition et puis c'est bon. Ouais, voilà. En plus, vous en avez un long, un plus gros, un comme ça, enfin bref. Pas mal, pas Ensuite, mal. Ce que j'ai acheté pour la maison, alors ça, j'ai acheté ça, parce que chez Ashuna, il y a plein de fils dans sa chambre qui traînent. Et en fait, ça, c'est pour cacher les fils, c'est-à-dire que vous mettez les fils à l'intérieur, tous les fils que vous voulez cacher, et puis, hop, vous le fermez comme ça. En fait, ça fait une forme de gouttière. Tu vois ? Ouais. Ça fait une gouttière. Il n'a pas fait encore ? Il n'a pas encore fait. Et vous cachez les fils et vous n'avez que ça qui traîne à la place d'avoir tous les fils. Donc c'est très pratique parce que bah, vous pouvez le faire à l'infini quoi, ça scratch. Et là du coup le rouleau il est quand même assez gros, hein, le rouleau, hein, vous voyez. Donc là vous pouvez même si vous voulez vous couper, vous mettez par exemple un morceau là. Et je trouve que c'est super pratique, ça je crois que je l'ai payé 2,99€ je crois. Ouais, au rayon, c'est plus esthétique quoi. Ouais c'est plus esthétique au rayon là où il y a tous les ordinateurs, les câbles et tout ça. Donc je trouvais que c'était pas mal. Les ordinateurs. Oui, les câbles d'ordinateur. Ensuite, on va passer alors ce que j'ai acheté dernièrement, ce que Tissène a acheté aussi. Ça me gratte le nez, ça me gratte partout. Je sais pas si vous avez vu ça, la lampe LED. Bon, je l'ai pas branchée, mais elle se branche avec la prise USB. Il n'y avait pas de prise, il y avait juste une prise USB, mais tout le monde chez eux ont une prise USB avec le chargeur de téléphone ou autre. Et en fait, vous choisissez. Vous choisissez, bon là, vous l'allumez. Et en fait, quand vous l'allumez, vous avez plusieurs boutons parce que vous avez la couleur, les couleurs froides, c'est-à-dire le blanc blanc, et les couleurs chaudes, le blanc jaune. Et vous pouvez choisir l'intensité et la couleur que vous voulez. Ouais, c'est super cool. C'est super cool. Ça veut dire que si, admettons, vous voulez faire un TikTok, que vous mettez à fond que vous êtes trop blanche, vous baissez d'un ton l'intensité quoi. Faut que je le visse. Vous avez compris quoi. Ouais. Vous baissez d'un ton pour jusqu'à ce que vous ayez la bonne luminosité quoi. Ouais, pareil, non, franchement, pour vous maquiller ou... sur pied et tout, ça on l'a trouvé sur TikTok. On savait même pas qu'Action faisait ça. Il y a pour mettre le téléphone, évidemment, hein, pour faire vos TikTok, vos vidéos, etc., tout ce que vous voulez. Et ça, normalement, c'est pour mettre un micro pour chantier, c'est-à-dire ben, pour la ASMR, par exemple, des choses comme ça. Ou si vous voulez ben, mettre un micro quand vous faites les vidéos, parce que des fois, on vous entend pas, des fois, il y en a qui mettent des micros. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, moi, je l'ai payé 12,99€, en sachant qu'il y a certaines actions où il était à 14,99€. Et d'autres à 9,99€. Voilà, et d'autres à 9,99€. Donc, va savoir pourquoi. Chaque action met ses prix. Paris, ils vont mettre à 15. Ouais. La campagne, ils vont mettre à 9. Et ville moyenne, ils vont mettre à 12. Voilà. Donc, on a pris ça. Ensuite, ce que je... ça, c'est toi qui l'as acheté. On va passer au sport et aux vêtements. Il nous reste 3 articles. Donc, ça. Oh, ça m'a remonté les narines, dis donc. Hein. On l'a acheté ça quand on a commencé à faire fort. On l'a acheté quand on a commencé à faire la muscu parce qu'on avait souvent des courbatures. Moi je l'ai acheté juste parce que j'ai souvent mal au dos. Et pour le dos aussi. On a acheté un baume de massage pour les courbatures. Donc là il y a une photo d'une personne qui a un poil, vous savez là. Et en fait quand on le met sur le dos, quand on se fait masser, ça fait une... comme si on vous mettait des glaçons. En fait ça fait frais. Vous voyez la sensation quand on a un chewing-gum extra fort à la main et qu'on fait exactement pareil sur le dos. Ou la sensation du Vicks. Ouais, le Vix ici là. Ici, là. Exactement pareil, en fait, c'est ça. Et je sais pas vraiment si ça fait des miracles, mais en tout cas, je sais que ça fait, ça fait du bien. Bien ça fait du bien. Ça fait du bien, donc on s'en est bien servi. C'est pas mal, hein. Du coup, ça, plus, ça coûte pas cher ça. Ouais, je crois. 2€. 2€ peut-être, 1,99€ peut-être. Ouais, peut-être. Et vous avez comme ça, et vous avez en crème aussi. Vous avez de l'arnica aussi. Ouais, il y a plein de choses. Plein de choses. Plein de choses comme ça pour les muscles et tout ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Vous avez plein de... Ah, j'ai acheté d'ailleurs, je vais vous le dire, ça va vous montrer. J'ai acheté des barres protéinées. J'en ai acheté une au chocolat et une au yaourt. Donc celle au chocolat, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas un petit déj quoi. Ça se voit que c'est un truc pour le sport. Ouais. Mais c'est pas mauvais. Mais alors celle au yaourt, dégueulasse. C'est affreux. On dirait que tu te bouffes un médicament cru comme ça. Voilà. Il est affreux. Donc si jamais vous voulez acheter des barres protéinées, il y en a au yaourt.
C'est horrible, horrible le goût. Peut-être qu'il y en a qui aiment, mais bon. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Je vous le dis parce qu'on parle de la catégorie sport. Hein. Ensuite, moi, j'ai acheté ça pour quoi? Le magnésium aussi. Je crois que c'est le magnésium qui m'a fait puer des bras parce que j'ai pris. Ah, je vous explique. Ah, oui. Il y a eu 3 ou 4 jours où j'ai pué. Je sentais mauvais des aisselles. La transpiration. Oh, c'était pire que la transpiration. On dirait que je venais de faire un marathon là dans toute la ville. Et en fait, c'était la période. J'ai fait une période où je prenais une cure pour les cheveux. D'ailleurs, j'ai arrêté parce que je sais pas c'est quoi. Et en même temps que je faisais ma cure de cheveux, il y a eu 2 jours où j'ai pris le magnésium. Et c'est à la période de magnésium que je sentais. Et les cheveux, ça faisait genre au moins plus d'une semaine que j'utilisais. Donc je pense que c'est le magnésium. Il faudrait que je reprenne le truc de cheveux. Pour voir. Oui, mais dites-moi si ça fait sentir. Ou alors, parce que moi j'ai les caps actifs. Si jamais quelqu'un a essayé, ça lui a fait pareil. C'est jamais, peut-être c'est peut-être ça. Fait... Arrête de bouger parce qu'on te voit pas. Ah, pardon. Donc je sais pas, mais je sais pas parce que moi je connais une copine à moi qui prenait des médicaments pour les cheveux et elle me disait qu'elle sentait le poulet cuisiné. Ouais, donc je sais pas en fait, j'ai arrêté les deux. Mais faudrait que ça ressortait par la peau en fait l'odeur. Ouais, je sais pas. Faudrait que j'essaye de reprendre ça, mais j'ai peur qu'au bout de 2 semaines tu prends un truc et tu bois. Si ça fait rien, tu essayes l'autre et puis ainsi de suite. Après, tu vois, c'est lequel qui te fait sentir. Ouais, faut que je fasse ça. Voilà, bref. Autre parenthèse sur ça. Ça, c'était chez Action aussi, c'était du magnésium. Ouais. Ensuite, alors moi j'ai acheté une ceinture pour mettre autour de la taille quand on fait du sport avec des petites ouvertures comme ça. Voilà, je sais pas où est mon téléphone, il n'est pas là. Et en fait là vous y rentrez ce que vous voulez, votre téléphone, vos clés, en sachant qu'il y a pour les clés, si je le trouve, voilà. Pour les clés il y a le petit crochet, voilà, vous pouvez accrocher vos clés de cadenas. Et puis ça en fait ça gêne pas du tout, vous mettez autour de votre taille, puis ça gêne pas du tout, vous le mettez par-dessus votre leggings. Et puis voilà, le téléphone autour de la taille, tout à portée de main, et puis vous êtes... Parce que j'avais acheté celui du bras, mais en fait celui du bras il me gêne. Mm. Donc du coup j'ai essayé avec la ceinture et c'était un peu mieux. En plus c'est élastique et tout, le tissu il est doux, donc franchement nickel. Donc ça c'est pour le sport. Ensuite... T'as tellement j'ai des céréales là, comme si c'est l'heure. Ah ouais, c'est Shine ça. Non, c'est sûr. Ensuite, ce qu'on a acheté à Action, on a acheté ça. Pour les personnes qui ont mal par exemple au poignet, alors je sais pas du tout comment ça se met, ouais, c'est comme ça. Mais quand vous avez mal au poignet, voilà, hop, vous serrez bien comme ça. Ouais, sans faire partir le sang. Voilà, et en fait ça vous retient le poignet, voyez. Et ça, il y en avait 2 à l'intérieur, et ça m'a coûté je crois 2 euros peut-être. Ouais, peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Hein. Mmh. Et il y en avait 2 à l'intérieur, et franchement c'est pas mal. Ou alors pour le sport, parce que là il est marqué sport support. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'en... Peut-être qu'en fait il y a des personnes qui s'en servent pour... porter les barres. Tout ce qui est muscu et tout, pour éviter de se tordre les poignets, non? Oui, peut-être, je sais pas. Ou pour faire... En tout cas dessus, il y a des poignets dessinés dessus. Donc, parce que s'il y en a 2, c'est peut-être pour chaque main, tu sais. Et oui, c'est ça que je me suis posé la question. Moi je l'ai acheté parce que ouais, il y en a qui ont des tendinites de main ici et ils ont mal au poignet. Du coup j'ai acheté ça pour ça. Savez, bah... Mais ah. Mais sinon, je sais pas du tout. Caméra qui s'arrête là toutes les 5 minutes. Et dernier truc que j'ai acheté, j'ai pris un très grand taille parce que, comme j'aime bien, comme je dis à Tissel, j'aime bien être à l'aise dans mes pyjamas. Vous allez dire que ouais, Vina, qu'elle a pris une grande taille, si du coup ça te va, oui. Enfin, c'est un pyjama. Un bas de pyjama. Non, mais ça se voit qu'il est grand. Un bas de pyjama. Et il est doux, mais il est doux. Ouais, c'est vrai qu'il est doux. Il est super doux. Et là en ce moment il était en promo, voilà, moi c'est surtout pour mettre en pyjama, donc j'ai pris un XL. De toute façon c'est peut-être le dernier qu'il y avait. Ouais, j'ai pris un XL. Ça, sinon c'était du gris. Ouais, la couleur j'aimais bien et tout, et franchement pour rester à la maison, il est vraiment doux. Hein. Mm. Voilà, et celui-là en ce moment il est à 5€, 4,99€ à l'entrée là, vous savez, là où il y a toutes les pubs. Bon après je pense qu'ils vont le mettre en rayon, il sera peut-être à 6€, mais là pour l'instant il est à 5€. Voilà, voilà, voilà. Mais voilà, c'est tout. Hein. Voilà, ouais. Si on a pu vous donner des idées d'action. Au fur et à mesure qu'on achètera, je pense que je vais le marquer sur un cahier. Parce que je sais qu'ils aiment bien les vidéos action. Ouais. Des trucs comme ça. Donc à chaque fois que j'achèterai un truc chez Action, je le marquerai sur un cahier. Comme ça, quand je chercherai pour vous faire la vidéo, parce que, ben, à part si un jour j'achète beaucoup de choses, ouais. Mais comme on achète petit à petit, ça sert à rien de faire une vidéo pour deux produits, quoi. Ouais, mais comme ils rajoutent souvent des nouveautés, enfin des nouveaux petits trucs, quoi. Et j'ai acheté aussi un leggings de sport. Regarde tellement tu bouges. Tu bouges pas là, je touche pas mes cheveux. C'est trouble. Là. J'ai acheté aussi un leggings de sport qui me monte bien en haut de la taille et tout. Il est vraiment bien celui-là. Même on voit pas la culotte ni rien.
Et il est épais et je crois que je l'ai payé 12 euros là-bas. Mais il est à la vie, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, donc ça fait quand même, je crois, ça fait 30 minutes que la vidéo est dure. 30, ouais. Tout à l'heure, ça faisait 20 minutes. Déjà ? Ouais. Donc ça fait au moins 30 minutes qu'on filme la vidéo, mais bon, pour vous montrer tout, il faut bien vous expliquer les prix, etc. Tu peux me prêter ta lampe ? Non. Pour que je fasse mon TikTok masque ? Non. S'il te plaît ? Non. Ok. Allez, on vous laisse là. Et je suis trop depuis tout à l'heure. On dirait une indienne. J'ai pas ma tête. Tu ressembles à une indienne. Je suis horrible, franchement. Mais tu sais, les indiens, ils ont le tour des yeux comme ça, foncé. T'as jamais remarqué ? Et toi, ça fait pareil. Qu'est-ce que je suis moche ! N'empêche, les indiennes, elles sont belles. Je dis pas ça pour toi. Hein. Bon, allez, on se laisse là. On se fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos action, Lidl, des choses comme ça, vous savez, magasin pas cher. Ouais. Et venez, monsieur, sur TikTok, je vais essayer le masque. Je vous mets mon TikTok en barre d'infos. Je vous le mets. Non, vous le mettez ici. Galec en barre d'infos. Il y a tout en barre d'infos. Il y a ton TikTok et tout en barre d'infos. Wow. J'avais tout mis, moi. J'avais tout mis. Mais moi, j'ai ta chaîne YouTube, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais tu me mettras le reste quand même un petit peu, quand même, non? Non, mais bon. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Bye bye. C'était pas cucu un peu. Et bientôt. Bye bye. Peut-être que t'as.